Alors, ce matin, nous continuons notre étude sur l'Épître aux Philippiens. On est rendu au chapitre 2, les versets 19 à 30 qu'on va couvrir ce matin. Depuis le début de l'étude, on voit cette Épître-là comme étant, comme on a présenté dans le message d'introduction, un peu un manuel de vie pratique chrétienne. Et à travers ça, à travers ce manuel, au fil des pages, on a abordé différents sujets dans l'étude, Vincent et moi, comme la joie. C'est vrai que la joie ressort beaucoup dans l'Épître aux Philippiens. L'unité aussi. L'importance de faire avancer l'Évangile, et ce, même dans des circonstances difficiles. On a parlé aussi de la sanctification, de l'humilité, du témoignage chrétien et de quelques autres sujets. Donc, on voit que Philippiens, bien, écoutez, tous les livres de la Bible et la Bible en entier est un manuel de vie chrétienne pratique, mais Philippiens, on essaie de ressortir de là vraiment des choses concrètes pour nos vies, comme vraiment étant un manuel dans lequel on peut puiser, qu'on peut se référer, ressourcer. Il y a des grandes vérités là-dedans, des beaux encouragements aussi, et puis on va essayer de faire ressortir ça. Et ce matin, ce qu'on va voir, c'est... quelques aspects importants du service chrétien. Parce que servir le Seigneur dans la vie chrétienne, ça ne devrait pas être une option. Et puis, à travers l'exemple de trois personnages qui sont dans notre texte, soit l'apôtre Paul, Timothée et aussi Épaphrodite, trois serviteurs de Dieu, à travers ce qui est dit de eux, on va essayer de faire ressortir des points importants du service chrétien et d'appliquer ça à chacun d'entre nous. Et le point central du message, c'est le verset 21, où tout mon message va tourner autour de ça, va ramener à là constamment, qui nous dit « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » C'est des paroles, c'est une parole troublante. Une parole qui peut être dure, qui peut être troublante, mais je crois surtout qu'on doit se laisser interpeller par ce passage-là, par ce verset qui dit « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » On va voir dans quel contexte l'apôtre Paul dit ça. Et mon but ce matin, c'est d'amener à un questionnement personnel. C'est que chacun de nous se posions la question qui est, est-ce que je vis ma vie chrétienne en fonction de mes propres intérêts ou en fonction de servir les intérêts de Jésus-Christ? Alors, on va lire immédiatement Philippiens 2, les versets 19 à 30. J'espère donc dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Prions. Seigneur Jésus, ce passage, Seigneur, on veut te demander ce matin de vraiment, Seigneur, l'écrire dans nos cœurs, dans nos consciences. Les quelques points qu'on va voir, Seigneur, à travers ce passage-là sont des points importants. Et Seigneur Jésus, aide-nous à se l'approprier, à se l'appliquer pour soi-même, ce message. Parce que, Seigneur,
Quand je l'ai lu, quand je l'ai étudié, j'ai entendu ta voix qui me parlait personnellement, et c'est ce que je veux partager avec mes frères et sœurs. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et qu'on entende ce message comme venant de toi. Ta voix qui nous interpelle, qui nous parle à l'oreille, à chacun de nous, tes enfants bien-aimés, tes rachetés. Et que tu nous montres ce que tu as à nous dire à chacun. Amen. Alors, servir mes intérêts ou ceux de Jésus-Christ, c'est le titre du message. Et pour véritablement servir Jésus-Christ, le premier point, c'est ceci, parce que je dois avoir à cœur la situation du peuple de Dieu. La vie chrétienne de chaque croyant devrait être vécue en fonction de servir le Seigneur Jésus. Pas nécessairement à temps plein. On n'est pas tous appelés à servir à temps plein, mais on est tous appelés à servir le Seigneur avec le temps que nous avons à cette disposition pour le faire, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Et la première question à se poser pour savoir si notre vie chrétienne est vécue pour nous-mêmes ou vraiment pour le Seigneur Jésus, c'est celle-ci. Est-ce que j'ai à cœur le peuple de Dieu? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai à cœur le peuple de Dieu? Là, peut-être que vous vous dites en vous-même, non, ce n'est pas la première question. Avant de servir le Seigneur, la première question que je dois me poser, c'est, est-ce que j'ai Dieu à cœur? Mais, si mon intérêt se porte vers Dieu, si mon intérêt dans ma vie se porte vers Jésus-Christ, il va obligatoirement se porter vers les rachetés de Jésus-Christ, vers l'Église de Dieu, vers son Église pour laquelle le Seigneur a versé son sang à la croix, pour laquelle le Seigneur est mort. Parce que nous sommes les bien-aimés de Christ. Nous sommes les enfants de Dieu qu'il a rachetés à grand prix. Et si nous aimons Christ, nous allons automatiquement aimer son Église, aimer le peuple de Dieu. Vous savez, les croyants, là, ceux qui se disent chrétiens, qui se disent croyants et qui n'aiment pas leurs frères et sœurs dans la foi, moi j'ai un problème avec ça. Pas avec le fait qu'ils ne les aiment pas, mais avec le fait qu'ils se disent croyants. Parce qu'on ne peut pas faire partie de la famille de Dieu sans aimer les enfants de Dieu. La première épître de Jean nous parle beaucoup de ça. Si on n'aime pas nos frères et sœurs en Christ, on n'est pas en Christ. C'est ce que Jean nous dit dans sa première épître. Et il y a d'autres passages qui parlent de ça. Donc, si on aime vraiment Dieu, on est obligé d'avoir de l'amour pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Ça va avec. Ça va avec. Et ici, dans les versets 19 et 20, l'apôtre Paul écrit, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Voyez-vous, l'apôtre Paul se souciait des enfants de Dieu. Est-ce qu'on a la situation du peuple de Dieu à cœur? C'est la première question qu'on doit se poser dans nos vies chrétiennes si on veut savoir si on est sur la bonne ligne. Si on veut savoir, est-ce que ma vie chrétienne reflète les intérêts de Jésus-Christ ou reflète juste mes propres intérêts? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai à cœur le peuple de Dieu? Parce qu'on ne peut pas servir une cause si on ne l'a pas à cœur. Les gens qui font du bénévolat, même dans le monde, là, peu importe dans l'organisme avec lequel ils vont faire du bénévolat, s'ils n'ont pas ça à cœur, ils n'iront pas. Sauf s'ils sont obligés, différentes raisons, mais généralement, quand on s'implique à quelque part, c'est parce qu'on a ça à cœur. Donc, si on aime Dieu, on doit automatiquement avoir à cœur les intérêts du peuple de Dieu. Ça ne peut pas m'être égal. Et là, si le peuple de Dieu m'est égal, je dois me poser la question. Vous savez, je ne parle pas de contribuer nécessairement. Ce n'est pas la première question. C'est est-ce que je les ai à cœur? Posons-nous par exemple la question, est-ce que je me réjouis quand j'entends parler qu'un jeune homme, une jeune femme de nos églises part pour aller à l'école biblique, par exemple. Passer un an, deux ans, trois ans à l'école biblique. Est-ce que je me réjouis de ça, de dire, wow, ce jeune homme-là, cette jeune femme-là prend du temps à part, va mettre pour un an, mettons, ses études de côté,
avant d'aller au cégep. Habituellement, c'est après secondaire 5 avant d'aller au cégep, mettons. Est-ce que je me réjouis qu'ils prennent un an de leur vie à part pour apprendre à mieux connaître Dieu, approfondir sa connaissance de Dieu, ou est-ce que dans ma tête, je dis non, c'est totalement insensé? Je pense que c'est une perte de temps, c'est un an de salaire qui va perdre. Sont où mes intérêts? Est-ce que je me réjouis de l'impact spirituel que va avoir cette année d'école biblique-là dans la vie de ce jeune homme-là, de cette jeune femme-là? C'est une question que je dois me poser. Est-ce que j'ai de la joie quand j'entends dire qu'un chrétien est revenu à l'Église après un temps d'éloignement? Vous savez, des fois, on dit, « Ah, un tel, savais-tu qu'un tel finalement est revenu? » »« Ah, oh, tu n'es pas sérieux? » »« Bien, voyons donc. C'est sûr que garde, c'est sûr qu'il y a. » Est-ce qu'on se réjouit ou est-ce qu'on embarque toujours automatiquement en mode critique, en mode jugement? Si j'ai les intérêts du peuple de Dieu, puis des fois, on les a, mais on est comme embourbé dans une patente, mais il faut réfléchir là-dessus. OK, ce frère-là, cette sœur-là, a peut-être fait de quoi de pas correct, ou il peut avoir mille raisons pour lesquelles elle a quitté l'Église. Mais là, tu es en train de me dire qu'il ou qu'elle revient. Waouh, je suis donc content. Le Seigneur est en train de travailler dans sa vie. Ça devrait me réjouir. Hein. Ça devrait me toucher, ça, plutôt que de critiquer puis de juger. Est-ce que j'ai de la tristesse d'apprendre le malheur qui vient de s'abattre sur un frère dans le Seigneur ou sur une sœur? Ou sur toute une famille? Ou est-ce que ça m'est totalement égal? Est-ce que ça me laisse indifférent? Si le sort du peuple de Dieu me laisse indifférent, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je dois me poser la question puis retourner au pied de la croix, parce que si je ne suis pas intéressé par le peuple de Dieu, je ne peux pas avoir véritablement compris le salut. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ce que Jean nous dit dans sa première épître. Est-ce que j'ai à cœur la situation du peuple de Dieu en général? J'ai donné quelques exemples, j'aurais pu en donner bien d'autres. Mais est-ce que j'ai vraiment ça à cœur ou est-ce que ça me laisse insensible? Est-ce que ce qui se passe avec les enfants de Dieu me passe sur le dos comme de l'eau sur le dos d'un canard? Parce que si c'est le cas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut, parce que le Saint-Esprit qui est en nous, nous connecte avec les autres chrétiens. Et si on n'est pas connecté avec les autres chrétiens, là, moi je me demande, est-ce que j'ai été régénéré? Est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Parce que la parole de Dieu nous dit, si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas. Alors, si j'ai vraiment l'Esprit de Christ, je dois avoir un intérêt pour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Écoutez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir un intérêt fanatique et absolu, c'est pas ça, là. Mais ça ne doit pas nous laisser indifférents. Cette semaine, il y a un jour ou deux, Nathalie me lisait quelque chose sur Facebook, ou je ne sais pas où est-ce que tu as vu ça, qu'en Inde, il y avait plusieurs dizaines d'églises qui avaient été brûlées et puis qu'ils prévoyaient tuer 200 missionnaires ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça me laisse totalement indifférent ou est-ce que ça m'apporte une tristesse dans mon cœur du fait que c'est des enfants de Dieu? Oui, ça peut m'apporter de la tristesse pour n'importe qui, chrétien ou non, mais je crois que ça doit particulièrement m'amener de la tristesse si c'est des enfants de Dieu. Parce que c'est notre famille. C'est notre famille spirituelle. Je ne peux pas être indifférent à ce qui arrive au peuple de Dieu. Parce que si je le suis, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je dois avoir un intérêt pour ça. Et si je perds ma sensibilité à ça, si je ne me sens pas concerné par ce qui arrive au peuple de Dieu en général, alors c'est ma condition spirituelle est en danger. Si je suis régénéré, ma condition spirituelle est en danger à ce moment-là. Parce que ça veut dire que mes propres intérêts se portent vers le monde et vers mes propres désirs égoïstes plutôt que vers le peuple de Dieu, qui est mon peuple et pour lequel Jésus-Christ a donné sa vie. Alors, si mes intérêts se portent juste vers le monde, juste vers ma petite personne, vers mes petites affaires à moi, puis que je suis insensible à ce qui se passe au peuple de Dieu, il y a deux choses. Premièrement, il y a de fortes chances que je ne sois pas régénéré. Ou si je suis régénéré, peut-être que j'ai été dans un temps d'éloignement où ça a plus. Mais là, encore là, je suis en danger spirituellement, en grand danger. Alors, je dois me questionner. L'apôtre Paul était en prison ici et ce qui était une source d'encouragement pour lui, ce n'était pas d'obtenir des privilèges qui rendraient son incarcération moins difficile.
Mais ce qui était une source d'encouragement pour lui, c'était d'entendre parler des progrès spirituels que faisaient les Philippiens. C'était ça sa source d'encouragement. Wow! Moi, je pense qu'on a à apprendre de ça. Paul, il va dire un peu plus loin dans l'Épître, « J'ai appris à être content dans les conditions où je me trouve. » Mais comment tu peux être content dans les conditions où tu te trouves quand tu es en prison, puis tu ne sais pas si l'issue de ça va être la mort ou la libération? Mais Paul, sa plus grande joie, sa plus grande motivation, c'était les intérêts du peuple de Dieu. Il se souciait du peuple de Dieu, ici particulièrement des Philippiens. Il avait fondé l'église de Philippe une dizaine d'années auparavant. Il était allé quelquefois entre-temps, mais là, qu'est-ce qu'il a l'idée? C'est « Oh, misère, oh, malheur, je vais-tu mourir? Je vais-tu être décapité? Est-ce que je vais avoir ci? Est-ce que je vais être fouetté? » Est-ce que... Non, c'est « Allez me dire si mes chers Philippiens que j'aime tant font des progrès spirituels. » C'est ça qui... Moi, je me dis « Wow, je ne suis pas rendu là. » Je pense qu'il faut que je me questionne, puis... On a un questionnement. Voilà, l'apôtre Paul, il avait véritablement à cœur le bien-être spirituel du peuple de Dieu. Et ça, ça me parle beaucoup. J'ai beaucoup à apprendre de ça. Alors, Paul veut envoyer Timothée à Philippe parce qu'il n'y a personne d'autre que ça intéresse. Épaphrodite était là, bien sûr, mais Épaphrodite, lui, il était venu de Philippe. Il venait de là. Et il était venu apporter à Paul un don que les Philippiens lui avaient fait. Et Épaphrodite... J'ai regardé sur Google Maps, là, vite, vite, entre Rome et Philippe, parce que Paul était emprisonné à Rome à ce moment-là, et Philippe, il y avait, selon Google Maps, 1300 kilomètres environ. Donc, ça veut dire ça, ça veut dire un voyage aller-retour de 2600 kilomètres. 2600 kilomètres pour aller prendre... C'est que Épaphrodite n'a pas fait ça en automobile, là. Il n'a pas pris l'autobus, puis il n'a pas pris Amigo non plus, là. Il a peut-être fait un peu de chameau, un peu de bateau, je ne sais pas, mais c'est quand même toute une ride, là, comme on dirait en bon français. Alors, Épaphrodite était parti de Philippe pour descendre à Rome, pour aller apporter le don, pour servir Paul un peu. Et là, en cours de route, Épaphrodite est tombé malade. Le texte nous dit qu'il a fait même presque failli en mourir. Alors, Épaphrodite va retourner à Philippe. Et c'est même lui qui va amener la lettre aux Philippiens que Paul venait d'écrire. C'est Épaphrodite qui va l'amener à Philippe. Alors, on comprend bien qu'Épaphrodite ne se retaperait pas le voyage une deuxième fois aller-retour. Et c'est pas par manque d'intérêt. Je pense qu'il avait fait sa part, quand même. 2600 kilomètres, c'est pas rien. Et le texte nous dit, Paul nous dit que personne d'autre, ça les intéresse. Alors, il envoie Timothée. Timothée avait véritablement à cœur le peuple de Dieu. Un point important ici, c'est que si ça n'intéresse personne, c'était pas tant que parce que c'était un long voyage. Parce que là, on peut dire, ouais, mais écoutez, 2600 kilomètres, je veux dire, les gens ont des vies, ont des familles, ont des travails. C'est vrai, tout ça est vrai, là. Mais je pense que c'est pas tant que ça que le fait que personne ne prenait véritablement à cœur la situation des Philippiens. Regardez le verset 20. « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments » pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Il est là le point. Il n'y a personne qui partage les sentiments de Paul parce que personne n'a à cœur la situation des Philippiens. Est-ce qu'on a à cœur, chacun d'entre nous, les intérêts du peuple de Dieu? Posons-nous personnellement la question, est-ce que j'ai à cœur les intérêts du peuple de Dieu. Parce que si je veux servir le Seigneur, c'est la première chose que je dois réaliser. C'est la première chose qui doit être dans mon cœur. Je dois avoir à cœur les intérêts du peuple de Dieu. Et le deuxième point qu'on va voir maintenant au verset 21, c'est que je dois aussi rechercher les intérêts de Jésus-Christ, évidemment. Lisons le verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Ce verset-là m'interpelle beaucoup parce qu'il démontre malheureusement une grande réalité. C'est que la plupart des chrétiens recherchent leurs propres intérêts et ceux de Jésus-Christ. Et ici, là, c'est une affirmation que Paul fait. Alors, il ne faut pas avoir peur des mots,
faut pas avoir peur de se mettre devant le miroir de la parole de Dieu et dire, est-ce que ça me concerne? C'est des choses qui peuvent être délicates à dire, dures à dire, mais c'est la parole de Dieu. Regardons-la honnêtement. Mettons notre cœur en face de la parole de Dieu et dire, est-ce que je fais partie du tous? Cette affirmation-là concerne tous les chrétiens qui entouraient Paul, puisqu'il dit « tous, en effet ». Donc, c'est une réalité, là. Est-ce que je fais partie du tous? Je ne suis peut-être pas à Rome au milieu du premier siècle, mais ici, où est-ce que je suis aujourd'hui, est-ce que je fais partie du tous? Les chrétiens de Rome dont Paul parlait se préoccupaient tellement de la vie terrestre qu'ils n'avaient pas le temps pour les intérêts de Jésus-Christ. Et c'est encore vrai aujourd'hui. La vie va vite, là. Hein? On ne peut pas dire qu'on est dans une société où il n'y a rien à faire. On est dans une société où il faut performer, où il faut que les choses avancent, où il faut que tout aille vite, puis tout aille... Puis on... C'est comme ça. Les méthodes, les moyens, l'époque est différente, mais le principe demeure le même. On se préoccupe beaucoup plus de notre vie terrestre que des intérêts de Jésus-Christ. Parce qu'on vit dans un monde où tout gravite autour de notre bien-être, de nos ambitions, de nos propres intérêts personnels, quels qu'ils soient. Et tout ça dévore notre temps, notre argent, notre énergie. Alors, il ne reste rien ou pratiquement rien pour Christ. Mais pourtant, Dieu nous a sauvés pour sa gloire et non pour la nôtre. Et là, ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans l'autre extrême, à dire, « Oh, mais là, je ne m'occupe plus de mes affaires, je ne prends plus mes responsabilités. » Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est à travers ma vie, là, oui, il faut que je m'occupe de ma famille, c'est mon premier ministère. Il faut que je travaille. Et c'est normal que je travaille, que je gagne ma vie pour nourrir les miens, pour voir à mes besoins et tout ça. Mais est-ce qu'il reste du temps? Est-ce qu'il reste de la place dans tout ça pour le Seigneur? Pour l'œuvre de Dieu? Je pense que c'est bon de s'interroger là-dessus. Maintenant, comment peut-on rechercher les intérêts de Jésus-Christ? La réponse est simple. Comment je fais dans ma vie? Mettons que là, je m'interroge. Je dis, OK, je m'aperçois que peut-être les intérêts de Jésus-Christ ne sont peut-être pas là où ils devraient être dans ma vie, mais je fais quoi pour que ça change? Eh bien, c'est simple. Je dois rechercher les intérêts de son Église. Si vous recherchez les intérêts de l'Église avec un grand E, si vous recherchez les intérêts, le bien-être du peuple de Dieu, vous allez rechercher les intérêts de Jésus-Christ parce que l'Église est celle qu'il aime, celle qu'il chérit, celle pour qui il est mort à la croix, qu'il a donné sa vie, et celle qui va prendre avec lui pour l'éternité et la rendre parfaitement heureuse. Un jour glorieux vient où les croyants vont être réunis à Jésus-Christ. Ça sera l'accomplissement. Mais en attendant, si je veux servir les intérêts de Jésus-Christ, c'est l'Église qu'il faut que je serve. Et à travers ça, la cause de l'Évangile, bien entendu. Peut-être que vous me dites, là, peut-être que vous pensez, OK, c'est bien beau tout ça, là, mais écoute, Tony, là, on a juste une vie à vivre. Alors, il faut en profiter. Hein? Bien là, je vais vous dire, oui, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Vous avez entièrement, totalement et parfaitement raison. Je suis d'accord avec vous. On a juste une vie à vivre quand même. Alors, il faut en profiter. Et c'est bien en quoi? Vivons-la pour la bonne cause. Si on a juste une à vivre, vivons-la pour la bonne cause. Celle de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, l'apôtre Paul a écrit en 2 Corinthiens 5, 15. Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous savez, on ne peut pas dire, « Oui, mais non, tu ne comprends pas, là, c'est parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. » Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a toujours du temps pour ce qu'on choisit de faire dans la vie. Tout est une question de priorité et d'intérêt personnel. Bon, écoutez, évidemment, c'est sûr qu'il peut y avoir parfois, un certain temps, des circonstances qu'on ne contrôle pas et qui nous obligent à.
Je veux dire, ça se peut qu'on ait un coup à donner pour nos études ou pour l'accomplissement d'un projet ou pour quelque chose. Mais si notre vie est toujours comme ça, c'est là que ça ne marche pas. J'ai toujours du temps pour ce que je veux dans la vie. On a beau travailler fort, avoir 8 jobs en même temps, aller à l'école, avoir une famille, si je veux prendre une demi-journée pour aller à la pêche ou pour aller jouer au golf ou pour faire de la moto ou pour faire n'importe quoi, je vais me trouver du temps pour le faire. J'ai toujours du temps pour ce que je veux dans la vie. Tout est une question de priorité. Mais de façon générale, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas s'esquiver, on a toujours le choix de faire ce qu'on veut. Puis il va toujours avoir quelque chose à faire. Mais est-ce que les intérêts de Jésus-Christ me tiennent à cœur? Parce que si les intérêts de Jésus-Christ me tiennent à cœur, je vais trouver du temps pour Jésus-Christ et pour son Église, à servir son Église. Posons-nous honnêtement la question ce matin. Répondez pas, ce n'est pas une question que je veux des réponses, mais parlons-nous à chacun. Est-ce que moi, pour qui Jésus-Christ a donné sa vie, je recherche mes propres intérêts ou est-ce que je recherche aussi ceux de son Église? Et vous savez, sans tomber dans un extrême ou dans du fanatisme, je crois qu'on peut tous réviser certaines de nos priorités afin de donner plus de valeur aux intérêts de Jésus-Christ dans notre vie. On a tous des priorités qu'on peut réviser, je suis certain de ça. Puis des fois, peut-être qu'on est là et qu'on veut se rendre là, on idéalise ça, mais il y a de la place entre les deux. Alors, si je suis là puis je m'en vais là, ou si je pars de là puis je m'en vais là, on en regagne, puis on peut tous, peu importe où est-ce qu'on est dans nos vies, on peut tous aller plus loin. On peut tous réviser puis remettre sur place les bonnes priorités. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire que c'était facile pour les pasteurs de parler de même, parce que pour nous autres, c'est notre job de servir Dieu. C'est vrai. Pas tout à fait tort. C'est vrai que c'est notre job. Mais je crois que c'est surtout un privilège, parce que si je le fais comme un job, ben, je ne suis pas à ma place, premièrement. C'est un grand privilège de pouvoir servir le Seigneur à temps plein. Et le Seigneur ne demande pas ça à tout le monde. Là. Alors, il ne faut pas penser que les pasteurs ou ceux qui servent le Seigneur à temps plein, que ce soit dans des organismes, dans des camps, dans des ministères, des missions, peu importe, il ne faut pas penser que c'est nécessairement des meilleurs chrétiens que les autres. Ce n'est pas ça que ça veut dire, mais pas du tout. Tout est une question de cœur et de priorité et aussi d'appel, de ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que si je suis pasteur et que ce n'est pas ça que le Seigneur me demande de faire, bien, ça ne comptera pas. C'est bien plate, là, mais ça ne comptera pas. Si je veux que ça compte aux yeux de Dieu, il faut que je fasse ce que Dieu me demande. Et si Dieu me demande, si j'ai un travail séculier, et puis que Dieu me demande à un moment donné, « Tony, je voudrais que tu fasses ça, je voudrais que tu ailles là. » Et si je le fais, là, je suis en business, comme on dit. Là, j'obéis à Dieu. Et là, je sers les intérêts de Jésus-Christ. Et ce n'est pas une question de servir à temps plein ou à temps partiel. C'est de faire ce qu'il nous demande. Et ça s'adonne qu'il demande à chaque croyant de le servir. Donc, il y a une fois aussi, un frère m'a dit, « Ouais, mais écoute, là, moi, je travaille 40 heures par semaine. 40 heures par semaine, alors quand je suis off, là, je vais en profiter. » Et ça, savez-vous qu'est-ce que ça voulait dire? Il y a souvent, derrière une phrase, il y a souvent d'autres choses. Hein? Et ça voulait dire, c'est au pasteur ou à ceux qui ne travaillent pas de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. C'est ça que ça voulait dire. Mais vous savez, si la plupart des pasteurs travaillent 45, 50 heures par semaine et parfois plus, alors qu'ils ne sont payés que pour 40 heures, c'est pour deux raisons. Premièrement, c'est par dévouement, parce qu'ils aiment ça. Et au même titre que n'importe quel autre chrétien. Et deuxièmement, c'est justement pour ne pas se faire reprocher de demander aux autres ce qu'on ne fait pas soi-même. Parce que vous savez, dans ma job, là, si je fais 40 heures, puis que j'arrête là, même si je suis pasteur, là, je travaille pour l'Église, etc., je fais juste 40 heures, puis j'arrête là, je ne peux pas demander à aucun d'entre vous qui avait des jobs d'en faire plus. Il faut que j'en fasse plus moi-même. Je vous donne un exemple. Vous saisissez la nuance? Je ne veux pas me faire dire, « Oui, mais toi, c'est facile, tu es pasteur. C'est ta job. » C'est vrai que c'est ma job. Mais, « Oui, mais moi, là, je fais 40 heures par semaine, j'en ai assez, j'ai plus de temps, je veux profiter de ma vie. » Bien, à cause de ça, il faut, mais ce n'est pas un devoir, écoutez bien. Là.
j'aime ça. Là. Donc, je dois en faire plus parce que je dois donner l'exemple. Mais ce n'est pas vraiment une corvée parce que j'aime ça. Puis j'honore mon Seigneur, puis je suis toujours content de le servir. Mais vous voyez, ce que je veux en venir, c'est que c'est toujours une question de choix et de priorité. Tout le temps. Et là, je ne dis pas ça pour me plaindre parce que j'aime ce que je fais. Et j'y trouve mon plaisir. Alors, je dis ça parce que si le pasteur, étant donné sa fonction, a un rôle important à jouer dans l'Église, il n'a pas pour autant tous les rôles à jouer. Le Saint-Esprit nous a donné à tous des dons, selon son bon plaisir, parce qu'il veut que tous, on le serve. Pas aux mêmes endroits, pas de la même façon, pas avec dans la même mesure de talent, mais il veut tous qu'on le serve à quelque part avec les dons qu'il nous a donnés. C'est pour ça qu'il nous les a donnés. Servir Jésus-Christ, ça doit être une priorité dans ma vie chrétienne. Absolument. Nous sommes un corps et chaque membre de ce corps doit jouer son rôle. Dans 1 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul parle des dons spirituels et de l'importance de que chaque membre du corps de Christ remplisse sa fonction, il dit ceci. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et là, si vous lisez le chapitre 12 d'un Corinthien, vous allez voir qu'il est question de l'œil, il est question du bras, de la main, etc. Chacun a son rôle à jouer. On n'a pas tous le même rôle, mais on a tous un rôle à jouer. Et c'est en jouant notre rôle qu'on va mettre les intérêts de Jésus-Christ en premier dans nos vies. Si tous les chrétiens recherchaient les intérêts de Jésus-Christ, ça changerait les choses. Imaginez que chaque croyant dans l'Église ici ou ailleurs donne une demi-heure de son temps par semaine au service de Dieu, au service des enfants de Dieu. Une demi-heure, mettons, c'est pas bien, là. La face du monde serait changée, j'en suis convaincu. Mais pas juste à cause de l'Église ici, mais partout. Si chaque croyant du monde mettait une demi-heure de son temps par semaine à servir Jésus-Christ et son peuple, la face du monde serait changée, frères et sœurs. Je suis convaincu de ça. Le problème, c'est que quand on vient à l'Église, la plupart du temps, on désire être servi plutôt que de servir. On veut entendre un bon message. C'est correct. On veut se laisser emporter par la louange. On veut que quelqu'un garde ou enseigne nos enfants. On est content que quelqu'un ait préparé une soupe quand c'est le temps des repas communautaires. On est content que l'église soit propre, que quelqu'un fasse le ménage, que quelqu'un coupe le gazon. Mais si tout ça est possible, c'est parce qu'il y a des gens qui s'impliquent. Il y a des gens qui s'impliquent. Et on pourrait tous ensemble faire tellement plus si tous les croyants s'impliquaient. Il y en a des besoins dans l'Église. Il y en a des besoins au camp Jolibri. Il y en a des besoins un peu partout dans tout ce qui sert la cause de Dieu et le peuple de Dieu. Puis ce n'est pas nouveau. Hein? Le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le Père envoie des ouvriers dans la moisson. Je pense qu'on a une conscience à prendre là-dessus et dire, je devrais m'engager à prier pour ça. Puis j'espère qu'en s'engageant à prier pour ça, le Seigneur va parler à nos cœurs et dire, « OK, tu as assez prié, continue à prier, mais maintenant, je veux que tu réalises une chose, c'est que tu peux faire partie de la solution, toi, avec. » Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et croyez-moi, je veux faire de reproches à personne ici. Ce n'est pas le but, pas du tout. Je ne veux pas mettre de fardeau sur personne non plus. Si c'est le cas, je vous en demande pardon, ce n'est pas mon intention. Et même, juste de vous dire ça, c'est malaisant pour moi, parce que ça peut être interprété, ça peut être reçu de toutes sortes de façons tout croche. Mais ce n'est pas mon but. Je ne veux pas avoir l'air de me plaindre, puis je ne veux pas offenser personne, mais mon but est de vous amener à considérer quels sont les intérêts que vous portez à l'œuvre de Dieu et à son Église. Et ça me concerne aussi, même si je suis pasteur. Parce que si je fais les choses, je me suis plaint parfois, puis je vous en demande pardon, je me suis plaint parfois, je dis, ah, je suis tanné de faire affaire, ça c'est pesant pour moi, puis c'était vrai, mais je n'ai pas été un bon exemple en faisant ça. Je vous en demande pardon. Je pense que ce qui doit être,
ce qui est devant nous, on doit le faire, puis on doit le faire avec joie. Puis, ce qui est de la fatigue, ce qui est du fait qu'on est tanné, ce qui est du fait qu'on... On doit apprendre à remettre ça à Dieu. Aller au Seigneur et dire, Seigneur, je te donne ça. Je te donne ça. Puis, donne-moi la joie de te servir, parce que ça va être récompensé dans le ciel. Bon, on ne le fait pas dans le but des récompenses, mais ça va être là. Mais faisons-le dans la joie de servir celui qui a tout donné pour nous. Celui qui est allé à la mort, même jusqu'à la mort de la croix pour nous. Est-ce qu'on n'est pas capable de servir un peu le Seigneur? Puis encore là, on le fait par reconnaissance, mais sachant aussi que ça fait partie de la relation qu'on a avec lui. Dieu n'a pas besoin de l'homme pour être servi. Lui qui donne la vie et la respiration à toutes choses. Mais ça fait partie de la relation qu'on a ensemble et qu'il veut avoir avec chacun d'entre nous. Alors, il y en a des besoins dans l'Église. Et peut-être que vous êtes la personne à qui Dieu demande de combler l'un de ces besoins-là. Si vous aimeriez vous impliquer, faites-le-moi savoir. On a des besoins partout. Il y a des besoins partout, puis même où ce que les besoins sont comblés, il y a de la place pour que d'autres personnes soient formées, s'impliquent à faire ça. Si vous avez des idées, des fois, de services ou de ministères à mettre en place, que vous aimeriez en faire partie, dites-le nous. Mais venez pas me voir, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises des gens. « Hey Tony, on devra faire ça, on pourra faire ça. » OK, tu veux-tu t'impliquer? Mais non, c'est toi le pasteur, c'est à toi le faire. Mais je me suis fait dire ça plusieurs fois. Puis savez-vous quoi? Je le croyais. Mais aujourd'hui, je ne le crois plus. Aujourd'hui, je ne le crois plus. J'ai eu tort de croire ça. Puis, vous avez tort de croire ça aussi, si vous le croyez. Ce n'est pas la job du pasteur. Le pasteur, là, dans l'Église, il y a un rôle. Un rôle parmi tous les autres. Mais chacun a son rôle à jouer. Chacun pour sa part. Et c'est tous ensemble qu'on va glorifier le Seigneur en Église. C'est tous ensemble qu'on va faire une différence. Si le Seigneur avait voulu que les pasteurs fassent tout, tout le temps, il aurait donné tous les dons aux pasteurs. Et je peux vous dire une chose, si c'est ça, il a manqué son coup avec moi. Le camp Jolibé aussi. Le camp Jolibé a des grands besoins. Ça débute aujourd'hui. À moins que ça l'ait changé dans les dernières heures, là, on n'avait pas de lifeguard encore. Ça, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jeunes qui vont venir au camp cet été, ils ne pourront pas mettre la grosse orteille à l'eau. C'est triste. Beaucoup de ces jeunes-là vont venir au camp pour la première fois, où ils ont l'opportunité d'entendre l'Évangile, d'être en contact avec... Il y a bien des jeunes aujourd'hui, là, ils ne savent même pas qui est Jésus. Ils n'en ont jamais entendu parler. De ma génération à moi, on avait des cours de catéchèse à l'école. On en entendait parler. Mais les jeunes aujourd'hui, là, hein, Jésus, c'est qui ça? C'est Dieu. Quoi? Dieu? Ils partent. Nous autres, on partait peut-être à plus 1, plus 2, mais eux autres, ils partent à moins 4, à moins 15. On a du travail à faire. Et quand ils viennent au camp Jolibé, là, ils ont l'opportunité de savoir que Dieu est là, qu'il existe, qu'il les aime, et d'entendre le message de l'Évangile, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu a fait pour eux. Et qu'un jour, quand ils vont affronter l'éternité, quand ils vont mourir, ça, ils savent qu'un jour, ils vont mourir. Ils savent qu'un jour, quand ils vont mourir, maintenant, ils savent qu'ils vont... devoir faire rencontrer leur Créateur. Et là, ils ont la solution. Parce qu'au camp Jolibé, l'Évangile est annoncé. Depuis 54 ans, c'est la 54e année, je crois, cette année que le camp Jolibé opère. Depuis 54 ans, il y a des milliers de jeunes en Abitibi-Témiscamingue et même qui viennent de partout au Québec qui ont entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Et parmi ceux-là, plusieurs ont été sauvés. Je ne peux pas mettre de chiffres, là, je ne sais pas les chiffres, mais il y en a. Et dans l'Église ici, même plusieurs ont entendu parler du Seigneur au camp Jolibé, ils sont dans l'Église ici. Qu'ils aient été sauvés au camp ou par après, peu importe, c'est la semence qu'ils ont reçue. Mais là, la plupart de ces jeunes-là, cette année, vont venir au camp. Et s'il n'y a pas de lave-garde pour se baigner, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire l'année prochaine? Ils vont aller ailleurs. S'il n'y a pas de moniteur, monitrice, ou s'il n'y a pas de personne à la cuisine, s'il n'y a pas de staff, mettez à tous les niveaux, là, s'il n'y a personne pour s'impliquer, là, qu'est-ce qui va arriver? C'est triste. Le camp Jolibé a des besoins.
Moi, je vous lance un appel ce matin. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ou si vous ne pouvez pas faire quelque chose, est-ce que vous connaissez des gens dont vous pensez qu'ils pourraient faire quelque chose? Je vous interpelle. C'est une grande équipe, le camp Jolibé. Et vous savez, comme les hommes à David qui étaient restés avec les bagages pendant qu'eux s'en allaient à la guerre, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé quand ils sont venus? Ils ont partagé tout le butin ensemble. Bien, l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Au camp Jolibé, là, que je lave les toilettes, que je fasse la louange, que je fasse l'enseignement, que je travaille à la cuisine, que je sois moniteur, que je sois lave-garde, peu importe. C'est une grande équipe et tout le monde va être béni par le Seigneur de ça. Et ces fruits-là, là, le Seigneur, là, il va faire qu'on va se les partager. Le camp Jolibé a des besoins. L'Église, l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda a des besoins. Et il y a d'autres causes, là. Je veux pas être exclusif, là. Si Dieu vous met quelque chose à cœur à quelque part, allez-y. Allez-y. Obéissez. Dites oui, envoie-moi. Puis peut-être que c'est dans vous êtes vraiment pas capable de vous impliquer parce que votre santé vous le permet peut-être pas ou etc. Vous pouvez certainement prendre du temps à chaque jour pour prier pour ça. Et c'est pas la moindre des œuvres, cela. Parce que la prière, c'est la puissance de Dieu. Et quelqu'un a déjà dit, la prière, c'est plus fort que toutes les armes de destruction massive réunies. Parce que la prière met Dieu en action. Et quand Dieu agit, ça change. Alors, prions. On est tous capables de faire quelque chose. Et là, le danger, c'est de dire, il vient de me donner une porte de sortie. Je vais prier. Je vais apaiser ma conscience. Je vous dis, je ne vais pas mettre de fardeau, là. Mais là, arrivez-vous pas vous-même. Si Dieu vous met quelque chose à cœur, faites ce que Dieu vous demande. Mais la prière a toujours sa place de toute façon. Mais pour qu'une cause serve les intérêts de Jésus-Christ, on doit l'avoir à cœur. On doit avoir le peuple de Dieu à cœur. Et elle doit être identifiable aussi pour ça. Ce que je veux dire, c'est que il y a certaines causes humanitaires. À chaque année, vous savez, je vais enseigner à l'école biblique, et puis à chaque année, dans mon cours, dans ma classe, il y a des gens qui me demandent, « Ouais, mais si je veux m'impliquer avec tel organisme humanitaire là-bas, c'est pas des chrétiens, mais tu sais, je veux dire, on fait du bien aux gens, vous ne servez pas la cause de Jésus-Christ. » Je suis désolé là, de vous apprendre ça, là, mais vous ne servez pas la cause de Jésus-Christ. Les causes humanitaires sont bien, et c'est le fun qu'il y en ait, puis j'ai rien contre les causes humanitaires en tant que telles, ça en prend, ça fait du bien. Mais les causes humanitaires servent leur propre cause, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est répandu à travers elles. Si vous voulez faire partie, c'est ça que je dis aux jeunes dans l'école biblique, si vous voulez vous impliquer sur un champ missionnaire ou dans un organisme communautaire en ville, quoi que ce soit, et que vous voulez le faire pour la bonne cause, alors assurez-vous que là où vous allez vous impliquer, l'Évangile soit annoncé, que le nom de Jésus-Christ soit proclamé, puis on n'ait pas peur de le faire, puis ça ne se fasse pas à cachette. On va le faire pendant 10 ans, en espérant que quelqu'un va nous poser une question, puis là, on lui donnera rendez-vous, puis après 8 rendez-vous, bien là, on lui demandera d'aller... Non, ça ne finit plus, là. Non. Pourquoi? Je me souviens la fois qu'on a fait des hot dogs ici, il y a quelques années, au festival de musique émergente ou des guitares du monde, je ne sais plus trop. On était en avant, puis on faisait des hot dogs avec le charcoal. Et puis... Il y a des gens, puis on avait mis des pancartes en ville, hot dog gratuit. Là, les gens, là, vous savez, ça marche partout en ville. Noranda était barré les rues, les gens circulaient à pied. Ça prend un petit coup, ça marche beaucoup. À un moment donné, la fin pogne, une pancarte, hot dog gratuit. Hey, on est en business. Là, les gens venaient ici. Là, c'est gratuit? C'est absolument gratuit. Pourquoi vous faites ça? Et là, les gens, c'est bien, on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils leur annonçaient l'Évangile. Si les gens étaient frustrés, ils pouvaient s'en aller. Mais je pense pas, il n'y en a pas bien qui sont partis. Les gens ont entendu l'Évangile, c'était ça notre intention. Alors on l'a fait. Il ne faut pas se cacher. Si l'œuvre à laquelle je participe a une intention, n'a pas l'intention de parler de Jésus-Christ, ou si je dois le faire à la cachette pour ne pas froisser personne, bien, c'est pas la bonne place. Excusez-moi, mais moi, je ne m'impliquerai pas là. Moi, j'aime m'afficher. Le camp Jolibé, sur les dépliants, c'est écrit que c'était un camp qui annonce l'Évangile, qui proclame les valeurs chrétiennes. On ne se cache pas. Pourtant, le Seigneur envoie des gens depuis 54 ans. Puis, ayons pas peur d'avoir peur au cas où qu'on aura peur d'avoir peur de faire peur aux gens. Affirmons-nous. Affichons-nous. Il y a 2-3 ans, il y a une madame qui était là, puis j'étais à l'accueil, et puis elle dit, « Je suis venu au camp quand j'étais jeune. »
Puis elle dit, quand ma fille est en âge de venir au camp, je l'ai inscrit au camp, elle a fait son adolescence ici. Puis elle dit, cette année, je viens inscrire mes petits-enfants au camp. Trois générations. C'était pas des chrétiens, là. Mais ils savaient ce qu'on faisait, puis ça ne les dérangeait pas pantoute. Puis les jeunes retournent chez eux, puis ils chantent des cantiques, puis ils chantent les cantiques qu'ils ont appris. Puis c'est arrivé qu'à plusieurs reprises, même, que les jeunes viennent à l'église, puis ils amènent leurs parents. On va aller voir, c'est quoi? On va aller voir. N'ayons pas peur. Affichons-nous. On est là pour ça. Jouons pas à cachette avec ça. Jésus-Christ a fait de grandes choses, puis il demande à l'église, c'est pas aux anges. C'est pas aux pierres qui demandent de proclamer l'Évangile. C'est à son Église. C'est à nous autres. Et c'est parfois à travers le service qu'on le fait. Parce que le service peut être un tremplin, peut être quelque chose qui va nous amener à témoigner. Écoute, il faut user de sagesse aussi, là. Tu sais, moi, j'ai déjà vu, bien, quand j'étais à l'usine, là, il y a plusieurs années, il y en a qui rentraient dans la salle de repos en donnant un coup de pied dans la porte. « Sauvé par le Seigneur! » Hein, je suis pas des farces que je vous dis là, là. Mais ça, c'est totalement insensé, là. C'est pas ça, là. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des clowns, pas à être des provocateurs, là. Saisissons les occasions, mais faisons-le. Troisième point. Être mis à l'épreuve. Lisons les versets 22 à 24. Philippiens 2, 22 à 24. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, en parlant de Timothée, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Alors, Timothée avait été mis à l'épreuve. Et c'est sous-entendu dans le texte qu'il avait passé le test. Il l'avait réussi, puisque Paul dit au verset 23, « J'espère donc vous l'envoyer. » Un des grands obstacles qui nous empêche de servir le Seigneur, c'est de penser qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas doué, qu'on n'est pas capable, qu'on est trop gêné. Mais si vous pensez que c'est votre cas, que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas doué, que vous n'êtes pas capable ou que vous êtes trop gêné, si vous pensez ça, là, c'est parfait. C'est absolument parfait. C'est super. Ah oui, je suis sérieux, là. C'est super. Regardez ce que nous dit 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Et il, en parlant du Seigneur, m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Moi, j'aimerais ça qu'on dise tout ça ensemble. « Car quand je suis faible, c'est alors... » OK? Allez-y, là. « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Wow! Maintenant, je vous ai entendu le dire. Hein? J'ai entendu le dire, là. Vous ne pourrez plus nous sortir cette excuse-là que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas capable. Parce que là, vous allez, je vais être obligé de vous dire, « Super! C'est quoi que tu avais dit, là, toi? » Ben, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Absolument. Quand Dieu nous demande quelque chose puis qu'on ne s'en sent pas capable, alors on doit dépendre de ses forces à lui. Parce que c'est lui qui va accomplir en nous ce qu'il veut qu'on fasse. Car, nous dit Philippiens 2, 13, on a vu ça avec Vincent l'autre fois, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et comme Vincent nous avait expliqué dans ce passage-là, le vouloir et le faire, ça ne veut pas dire « oui, je veux, mais je m'attends, je m'assis, puis j'attends que ça passe parce que si Dieu veut que je le fasse, il va le faire à moi. » C'est pas ça que ça veut dire. Non. Dieu met le désir en nous et il nous donne tout ce qu'on a besoin. Maintenant, il faut se mettre en action avec la force, avec les ressources, avec la puissance de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est absolument merveilleux. Parce que si Dieu veut qu'on fasse quelque chose, il va nous donner aussi ce qu'on a besoin pour l'accomplir. Il ne reste plus grande excuse, là. Hein? Il ne reste plus grande excuse de ne pas servir Dieu, là. À moins de ne pas le vouloir. Pensez à Gédéon. Dans Juges, au chapitre 6, Dieu avait dit à Gédéon d'aller délivrer son peuple des Madianites. Et là, Gédéon a dit, je vais le lire en Juges 6, 14 à 16, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici,
Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père, etc., etc. Et là, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Autrement dit, Gédéon, arrête avec tes excuses. Arrête avec tes, ça n'a pas d'importance tes faiblesses. Parce que c'est moi qui est avec toi, puis c'est avec ma force que tu vas sauver ton peuple. C'est ça que Dieu a dit à Gédéon. Et c'est ce que Dieu nous dit, la même chose. Le service pour Dieu, ce n'est pas toujours facile. C'est bien certain. Et c'est parfois même très difficile et très éprouvant. Pensons à ces missionnaires, par exemple, qui ont dû payer de leur vie, ou etc., ou ceux qui ont été emprisonnés pour leur foi, même ici au Québec, il y a quelques décennies à peine, et tout ça. C'est pas toujours facile. Mais c'est en étant éprouvé qu'on va être approuvé de Dieu. Mettez-vous au service du Seigneur et laissez-le vous façonner. Laissez le Seigneur faire de vous la personne qui veut que vous soyez à son service. Puis si vous n'avez pas confiance en vous, je leur dis, c'est parfait. C'est super. Faites confiance à Dieu. Je l'ai dit peut-être 1000 fois, mais je vais le dire encore. La vie chrétienne, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Et sur un champ de bataille, c'est là que les soldats acquièrent leur véritable expérience. Alors, vous voulez servir le Seigneur? Engagez-vous! C'est Astérix qui disait ça, je pensais. Engagez-vous, qui disait. Engagez-vous. Vous voulez servir le Seigneur? Essayez quelque chose. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de vous dire, non, ça, ça ne me convient pas. Essayez quelque chose. Le Seigneur va vous diriger en cours de route. Acceptez d'être mis à l'épreuve dans votre service pour Dieu et laissez-le faire de vous et avec vous des choses qui vont vous surprendre. Pas sûr qu'après ça, vous allez dire, « Ah, mais finalement, je n'étais pas capable. » Non, vous allez peut-être dire, « Ah, mais finalement, j'étais capable. Hein? » Vous n'avez pas confiance en vous? Parfait. Faites confiance à Dieu. Lui, il a ce qu'il faut. Dieu veut se glorifier à travers chacun de vous. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Désirez servir les intérêts de Jésus-Christ et laissez-le vous éprouver parce que c'est après avoir été éprouvé que vous pourrez être approuvé de Dieu. Comme un enfant avec son père. C'est ce que Paul disait à Timothée au verset 22. Regardez. Puis on peut appliquer ça à nous, envers Dieu. Il dit, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » Je pense qu'on peut appliquer ça avec Dieu. Dieu va nous mettre à l'épreuve. Puis on va le servir comme un enfant avec son père. Ça implique que Paul a formé Timothée, qu'il a repris Timothée de temps en temps, et qu'il a su l'encourager aussi. Et aussi, ça fait partie de notre formation, de notre mise à l'épreuve, parce que le jour où Dieu voudra nous utiliser, que ce soit dans l'église, ici, au camp Jolibé, ou à 2600 km de chez nous, ça n'a pas d'importance, on va être prêt. Parce que si Dieu nous éprouve, il va nous approuver, et là, on va être efficace à son service. Alors, soyons prêts à servir les intérêts du Seigneur et de son église. Soyons prêts à être mis à l'épreuve, s'il le faut. Et dernier point, être entièrement dévoué. Il ne nous est pas dit beaucoup de choses au sujet d'Épaphrodite, mais ce qu'il nous est dit de lui est très révélateur. On sait, par exemple, qu'il a été envoyé par l'église de Philippe pour apporter à Paul un don afin de pourvoir à ses besoins. Et c'est lui aussi qui a ramené à Philippe l'épître aux Philippiens que Paul venait d'écrire quand il est retourné chez eux. Épaphrodite était donc un serviteur de Dieu dévoué qui n'avait pas peur de s'engager pour servir le peuple de Dieu. Parce qu'il a fait un voyage de 2600 km aller-retour, c'est pas rien. Paul parle d'Épaphrodite aussi comme étant son frère, dans les versets 25 à 30. Son frère, son compagnon d'œuvre et de combat. Alors, Épaphrodite était un homme, un chrétien qui avait l'Évangile à cœur, qui avait le peuple de Dieu à cœur et qui voulait servir le Seigneur. C'était le frère de Paul et son compagnon d'œuvre et de combat. Et les versets 25 à 30 nous montrent aussi l'amour fraternel véritable qu'Épaphrodite avait pour ses frères et sœurs en Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, il était fort en peine, au verset 26, il était fort en peine de ce que les chrétiens de Philippe aient appris sa maladie. On ne sait pas de quoi il était malade. Le texte ne le dit pas. Mais il a frôlé la mort et il ne voulait pas que les gens soient affligés à cause de lui. Moi, je pense qu'Épaphrodite avait un cœur de berger.
Il s'associait de ce que les gens pensaient. Puis il ne voulait pas qu'ils soient affligés à cause de lui, mais qu'ils restent concentrés sur l'œuvre de Dieu, sur leur progrès spirituel. Épaphrodite, c'est un exemple de serviteur accompli pour moi. Puis je pense qu'il l'était pour l'apôtre Paul aussi, parce qu'il dit aux Philippiens, au verset 29 et 30, « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Épaphrodite résume à lui tout seul le caractère d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, qui a vraiment les intérêts de Jésus-Christ à cœur et non juste les siens. Épaphrodite avait ça. Il avait à cœur la situation du peuple de Dieu. Il recherchait les intérêts du Seigneur. Il a été mis à l'épreuve et il était entièrement dévoué. Et si Paul a demandé aux Philippiens d'honorer Épaphrodite et Timothée, parce qu'il dit honorer de tels hommes, ce n'était pas par orgueil, mais parce que Paul voulait faire prendre conscience aux Philippiens de la valeur d'un véritable serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu a de la valeur pour le peuple de Dieu. Parce qu'il travaille dans son bien-être. Il sert véritablement les intérêts de Jésus-Christ. Et c'est pour ça. Et elle est là la valeur et l'honneur que Paul voulait que les Philippiens leur rendent. Ce n'était pas une question de gloire, de vanité ou de choses comme ça. Et vous savez, notre service pour le Seigneur ne sera jamais oublié par lui. Jamais. Tout ce qu'on fait pour Dieu a de la valeur et de l'importance. Et Dieu va s'en souvenir. Et un jour, on va être récompensé pour ça. Un jour, Dieu va nous donner la récompense de ça dans l'éternité. Alors, les qualités que possédaient Épaphrodite, Paul et Timothée, on peut les obtenir, nous aussi, si on les recherche. Des fois, on les demande, on les reçoit, on doit les développer. Et les mettre en application. Mais tout commence par cette simple question, et je finis là-dessus. Tout commence par cette simple question que je vous lance ce matin. Est-ce que je vis ma vie chrétienne en fonction de mes propres intérêts ou en fonction de servir Jésus-Christ? Prions. Seigneur, merci pour ce passage dans Philippiens qui nous... qui peut-être, Seigneur, est dur à prendre un peu, peut-être qui nous ébranle, mais bon. Seigneur, c'est ta parole, ça vient de toi. Et Seigneur, si on a quelque chose à apprendre, à retirer de ça, bien Seigneur, qu'on le reçoive, parce que c'est ta parole qui nous le dit. Et Seigneur, ma véritable intention, tu le sais, c'est pas de mettre un fardeau ou de faire des remontrances à personne, mais simplement de nous amener, et je m'inclus là-dedans, à une réalité. Dire, est-ce que je vis ma vie en fonction de mes propres intérêts ou en fonction de ceux de te servir? Parce que on a été rachetés pour toi et pour ta gloire. Et c'est ça qu'on doit faire. Alors, Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Et merci pour cette belle journée. Amen. Merci, frère et soeur. On se revoit.